Bonsoir à tous et merci d'être là dans les locaux de Liferay. On est très content de participer au Meetup Elastic pour aujourd'hui vous parler de recherche sémantique dans le cadre de Liferay DXP, donc, qui est la solution que nous éditons en combinaison avec Elasticsearch. Et évidemment, on inclut le pouvoir de l'IA pour faire tout ça. Donc, l'agenda du jour, on va faire déjà une petite introduction à la recherche sémantique, histoire qu'on ait des bases communes. Et on va vous montrer comment Liferay intègre en fait Elasticsearch, quelle est l'utilisation que Liferay fait d'Elasticsearch et comment on a pu régler des problèmes avec l'introduction de la recherche sémantique dans les fonctionnalités de Liferay. Et on vous fera une petite démonstration de comment ça fonctionne. On a déployé Liferay Elasticsearch sur notre cloud en plateforme as a service pour vous montrer comment on orchestre ça tout ensemble. Et du coup, on clôturera avec un petit point sur quels items avec lesquels on peut aller plus loin par rapport à ce qu'on a présenté lors de ce meet-up. Du coup, je vais commencer avec l'introduction à la recherche sémantique. Donc, qu'est-ce que c'est, tout simplement? On va commencer par définir ce que c'est la sémantique. La sémantique, c'est ce qui se rapporte au sens des mots, mais aussi des phrases, parce que si on parlait que des mots, ce serait les synonymes, typiquement. Donc, si on regarde dans Larousse, il parle d'outils linguistiques et combinaisons. Donc, c'est une belle phrase pour dire que, en fait, c'est mots, phrases et expressions. Du coup, quand on effectue, et là, on va dans le concret, on effectue une recherche sémantique, on souhaite trouver les résultats qui ont un sens similaire à la requête, à l'expression de la recherche, en fait. Et en fait, il y a un effet flagrant quand on passe à ça par rapport à une recherche traditionnelle par mots-clés, c'est que dans les résultats, on va avoir des résultats qui n'ont potentiellement aucun des mots-clés de notre recherche, tout simplement parce que c'est le sens qui a pris le pas sur la pertinence en fait, des résultats. Comment ça marche? L'idée, c'est comment en fait une machine peut comparer le sens des mots. En fait, une machine est plus forte en maths qu'en littérature, du coup, le but, c'est qu'elle compare plutôt des vecteurs que des mots. Du coup, là, on va faire une représentation 2D, parce que c'est plus simple à se représenter, des vecteurs. Donc, on imagine un espace comme ça, avec des vecteurs un petit peu dans tous les sens. Du coup, le rapprochement sémantique entre deux mots, finalement, ou des phrases et des expressions, donc les outils linguistiques et leurs combinaisons, c'est exprimé par la similarité cosinus de deux vecteurs. Donc, de quoi on parle? On imagine un vecteur A, un vecteur B, là, c'est l'expression, la phrase, le mot, et on va regarder le cosinus alpha ici entre ces deux vecteurs. Et ça, on l'exprime par une formule qui est le produit scalaire des deux vecteurs divisé par les normes de ces vecteurs-là. Pourquoi je détaille la formule? Parce qu'on verra plus tard qu'il y a deux fonctions en général qu'on utilise. On parle de similarité cosinus principalement, mais on peut voir qu'on peut utiliser simplement le produit scalaire, c'est-à-dire que si on a un vecteur 1, 2 et 3, 4, on va faire 1 fois 2 plus 3 fois 4. Après, il faut imaginer, on en parlera, mais on est sur des vecteurs avec beaucoup plus de dimensions. Et en fait, ce produit scalaire, déjà, nous donne le rapprochement entre ces deux vecteurs. Simplement, ça fait des nombres hyper grands. Donc, si vous voulez trouver une échelle à laquelle vous dites « en dessous de ça, c'est plus pertinent », c'est un peu plus compliqué. Le fait de diviser par les normes des vecteurs, ça fait qu'on a des résultats entre moins 1 et 1. Donc, c'est beaucoup plus simple pour ce travail-là. Donc on a besoin de transformer des mots en vecteurs, et c'est là qu'en fait intervient les modèles d'IA qui sont entraînés à ce plongement lexical qu'on désigne comme un traitement finalement de langage naturel. On est dans ce domaine-là de l'IA, le traitement de langage naturel. Donc on imagine, là on est en train de stocker un document où c'est un article et il y a marqué « They won a lottery ticket ». On le fait passer à un modèle transformateur, donc les transformers modèles dont on va parler un petit peu plus tard, et du coup ça va nous retourner un vecteur à n dimensions. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait un espace 2D parce que c'est plus simple à se représenter, mais en général, on va être sur des vecteurs de 384 dimensions, 512, 1024. Alors, graphiquement, c'est dur à se représenter, mais après, pour le calcul et la formule qu'on a vue, c'est plutôt simple. Donc, il faut aussi vectoriser la requête, parce que le but, c'est de comparer des vecteurs avec des vecteurs et pas des mots avec des vecteurs. Et donc là, on imagine chercher « story of a lucky person », on le passe dans le transformer, et ça nous renvoie des vecteurs. Là, dans l'exemple, j'ai fait exprès de faire des exemples de vecteurs qui sont un peu proches, parce que l'idée, c'est que si on lance cette requête-là, ça va nous retourner d'abord l'article sur quelqu'un qui a gagné à la loterie, et il n'y a aucun des mots de la recherche qui correspond au document.
Donc finalement, on pourrait se représenter ça comme ça. On a le qui et le tri qui sont à peu près dans la même direction, le même sens, si on veut l'imaginer et le simplifier comme ça, avec un angle du coup qui est plutôt faible, ce qui fait qu'ils sont plutôt proches. Et là, j'imagine un autre mot au hasard qui est climate, et si on regarde ce cosinus-là, bêta, bah, on va avoir un résultat qui fait que c'est moins pertinent. D'accord ? Donc on est plutôt sur la fourchette négative de l'intervalle dont je parlais juste avant. Donc par où commencer ? Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà peut-être. En tout cas, il y a une plateforme que j'aime beaucoup qui est Hugging Face. Et quand on touche à l'IA, c'est vraiment une plateforme géniale parce qu'il y a des outils pour faciliter la construction d'applications qui vont utiliser des modèles d'IA. Donc ils ont quoi ? Ils ont des librairies Python pour télécharger les modèles et les utiliser directement. Et il y a une abstraction de l'utilisation de PyTorch, par exemple, qui est faite et qui facilite vraiment en quelques lignes, genre 5 lignes de Python en incluant les imports, pour utiliser un modèle et par exemple faire l'exercice qu'on a vu avant avec les schémas. Mais ils proposent aussi des API qui sont prêtes à l'emploi. Si on trouve un modèle et on veut juste faire une consommation d'API, que ça se scale tout seul, qu'on ne se casse pas la tête avec l'infra derrière, c'est un modèle qu'ils proposent. Et on y retrouve aussi pas mal de modèles. Donc ce qu'on retrouve sur Hugging Face, ça va être des modèles qui sont hostés, ça va être des chercheurs, et des datasets aussi en plus des modèles, mais la communauté, les chercheurs, des entreprises, donc des modèles de Microsoft, de Facebook et de tutti quanti, en fait, on va pouvoir les retrouver sur Hugging Face et les consommer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On est chez Elastic, donc on va pouvoir les déployer dans Elasticsearch. On avait vu un bout de snippet sur la présentation de la 8.12, là, avec le text embedding, c'est typiquement là où on renseigne le nom du modèle. Elasticsearch, il permet aussi de consommer des services externes. On n'est pas obligé de déployer le modèle dans Elastic. On peut s'imaginer qu'on a un autre service qui est fait pour ça, qui va peut-être prendre des requêtes d'autres applications, renvoyer les vecteurs à d'autres applications, ou même d'autres modèles qui font d'autres choses, mais qu'on a un peu centralisé, externalisé. Donc Elastic, il permet de insérer les vecteurs dans les documents de façon, je dirais, découplée. Et du coup, pour la démo aujourd'hui, on a choisi la seconde option, et on va vous expliquer pourquoi par rapport en fait au contexte de Liferay et comment on utilise Elastic. Mais on a opté pour TextAI, qui est en fait un service, il fait un peu plus qu'une API à laquelle on envoie des mots et qui nous retourne des vecteurs. C'est aussi une base de données vectorielle. Enfin, vous pourrez voir justement sur leur site ce qu'ils font en plus de ça, mais qui va nous permettre en fait de configurer un modèle très facilement. Il y a un YAML file, on dit c'est ce modèle-là, il sait le télécharger sur Hugging Face. Et après, il va générer des API, on a juste à les consommer. Donc ça permet de faire facilement un déploiement on-prem ou sur notre PaaS, par exemple, on a un stack avec Liferay DXP, Elastic, TextAI. Dans la langue de Shakespeare, parce que vous avez vu, je me suis efforcé à parler en français sur des choses où on n'a pas forcément l'habitude, genre plongement lexical. En fait, c'est la traduction du text embedding. Et le text embedding, c'est les vecteurs, en fait, qui représentent nos mots. Donc c'est ce qu'on va voir dans le nom des modèles ou dans le nom du mapping qu'on va envoyer à Elastic, c'est typiquement ça qu'on va trouver. Similarité cosinus, du coup, c'est cosine similarity. Produit scalaire, c'est le dot product. On va les retrouver en fonction, du coup, qu'on va pouvoir invoquer côté Elastic. On a aussi des vecteurs denses, c'est avec lesquels on va travailler aujourd'hui. On parle de vecteurs creux aussi pour le sparse vector, et c'est ce que je vais évoquer à la fin aussi avec le modèle que propose Elastic. Et évidemment, traitement du langage naturel, je pense que tout le monde l'avait, c'était le Natural Language Processing, donc le NLP, qui est ce domaine de l'IA très particulier. Donc on va parler de l'implémentation dans Liferay, et je vais juste faire une petite introduction avant de passer la main à Fabien sur qu'est-ce que c'est Liferay finalement pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, on a un produit qui s'appelle Liferay DXP. Avec ça, on peut faire des solutions type intranet, portail, site web, plateforme e-commerce, et on peut le déployer sur du SaaS, du PaaS ou du on-prem. Donc on a un périmètre qui est assez large, et qui permet de gérer, par exemple, des utilisateurs, des contenus, des documents, des objets no-code, donc des modèles de données que vous configurez directement sur la plateforme. Ce n'est pas exhaustif, mais en gros, toutes ces entités-là, toutes ces données, elles sont indexées dans Elastic. Donc notre modèle, c'est dès qu'on enregistre un contenu, il est sauvegardé en base de données, il est envoyé à Elastic, et on réagit en fait aux événements de mise à jour, etc., pour garder l'indexation à jour en fait côté Elastic. Du coup, je vais passer la main à Fabien qui va vous parler un peu plus de l'implémentation et de la partie démo. Merci, Louis-Guillaume. Donc oui, et Liferay, un petit peu à l'instar d'Elasticsearch, c'est aussi une solution open source. Donc si demain, vous voulez faire, ou même ce soir,
vous voulez tester Liferay et son intégration à Elasticsearch, vous pouvez télécharger la distribution de Liferay. À savoir, si vous téléchargez la distribution de Liferay, on intègre un Elasticsearch embedded à l'intérieur. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre pour votre poste de travail. Vous téléchargez Liferay, vous le lancez, ça va démarrer Liferay dans un Tomcat, ça va démarrer Elasticsearch, ça va aussi démarrer une base de données HSQL, vous n'avez rien à toucher, ça démarre tout seul. Vous pouvez aussi, si vous préférez, lancer une image Docker. Donc vous avez le choix entre les deux options. Et la version communautaire est très proche de la version TXP de Liferay, donc vous pouvez tester la plupart de ces fonctionnalités par vous-même si vous en avez envie. Alors, donc comme vous l'expliquait Louis-Guillaume, Liferay, c'est une plateforme qui gère de nombreux types d'entités. Vous allez... Il y a une base de portails, donc on construit des sites, on met des pages dans les sites, on met des contenus sur les pages, et on a des utilisateurs qui interagissent sur cette plateforme. Donc toutes ces entités, tous les mots que je vous ai cités, ce sont des objets qui existent dans la base de données, qui sont indexés dans Elasticsearch. Et là, ce que j'ai voulu illustrer dans ce petit schéma, c'est que pour chaque type d'entité, on a des composants qui vont aller regarder dans l'entité qu'est-ce qui est intéressant d'aller indexer. Et là où on a un modèle de données relationnelles en base de données, on met tout à plat et on met ça dans des index dans Elasticsearch. Donc on a, si vous regardez l'index, si vous faites des requêtes sur l'API d'Elasticsearch, sur l'index qui est généré par Liferay, il est très très large, hein. Il y a beaucoup de colonnes parce qu'on met tout à plat et on renseigne des champs différents pour les documents, selon le type d'entité qu'on indexe. Un utilisateur va avoir un prénom, alors qu'un contenu n'en aura pas, par exemple. Et donc là, pour vous donner quelques exemples, il y a des contenus web, par exemple, un article que je tape. Le contenu web, il peut être structuré, ça veut dire que vous pouvez avoir défini des champs qui constituent ce modèle. Vous pouvez avoir des documents, donc un document, c'est par exemple une image ou un PDF qu'on va télécharger sur la plateforme. Donc si vous avez un PDF, il y a du texte à lire dedans, ça s'indexe aussi. Et puis, par exemple, des utilisateurs, je ne vous ai pas tout mis. Et puis aussi des objets métiers customisés. Donc Liferay, c'est aussi une plateforme dans laquelle on peut créer des objets et les gérer dans la base de données de Liferay et les indexer dans Elasticsearch. On va pouvoir les rechercher aussi. Donc tout ça passe dans la moulinette au moment de l'indexation. Donc l'indexation, elle est déclenchée part de la création de la mise à jour d'enregistrement dans la base de données. On peut aussi forcer une réindexation dans la plateforme. Et ce qu'on réalise à ce moment-là, donc du coup, c'est un parcours des objets qui sont dans la base de données pour sélectionner les éléments qu'on va indexer. Et on a aujourd'hui l'opportunité en plus d'intégrer dans cette chaîne un connecteur qui va se greffer sur TXTAI ou alors quelques autres modèles d'analyse sémantique. Et donc, on va lui donner le contenu et en sortie, il va nous donner le vecteur dont vous parlez, Louis-Guillaume. Et ça, on va le mettre dans Elasticsearch. Donc ça, c'est au moment de l'indexation. Là, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est, je vous disais, on peut enregistrer des contenus web dans Liferay. Et donc, il y a un éditeur dans lequel vous pouvez définir la structure de votre contenu. Là, j'ai pris un exemple ici. Un des cas qu'on a utilisé pour illustrer notre démonstration tout à l'heure. Je suis allé faire un petit tour dans l'Open Data et j'ai trouvé, par exemple, la base de données des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est une grosse base de données. Ça raconte plein de choses compliquées. Donc, j'ai fait un modèle de données dans Liferay en sélectionnant les champs. Il y a des dates, il y a des articles de loi, il y a le compte-rendu du jugement. Donc, ça, c'est une structure que j'ai modélisée. Puis, comme vous pouvez le voir à droite, vous pouvez expliquer si le champ dans le contenu, il est traduisible, s'il a vocation à être indexé, etc. Donc, tout ça, vous le mettez au point dans Liferay. Et puis après, vous pouvez importer des contenus là-dedans. Et puis pour l'anecdote, j'avais cette grosse base Open Data. J'ai des API dans Liferay pour alimenter tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser du Python. Alors après, moi, je ne sais pas faire du Python, donc j'ai demandé à Naïd de m'aider. Et puis on a construit le script pour ingérer
mais quelques milliers d'articles. Et donc, ça, c'est, je vous ai montré en diagramme d'avant comment ça se passait au moment de l'indexation. Donc, comme le disait Louis-Guillaume, il faut faire tourner le modèle d'analyse sémantique au moment où on indexe, mais également au moment où on fait la recherche. Donc, quand je fais une recherche, le texte de ma recherche, je le fais passer dans la même moulinette et je vais avoir un vecteur que je peux intégrer dans ma requête que je fais à Elasticsearch. Mais on peut aller un petit peu plus loin que ça. On peut également s'appuyer sur une fonctionnalité qu'on appelle les blueprints de recherche dans Liferay. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est un outil qui permet de construire des morceaux de requêtes Elasticsearch. Donc, par exemple, je dis je veux matcher cette valeur-là sur ce champ-là. Donc, j'en fais un morceau de requête et j'ai une interface pour ensuite les assembler. Et donc, je peux combiner ma recherche sémantique, si je le souhaite, avec des critères de recherche supplémentaires. Donc, je pourrais faire une recherche sémantique que je combine avec un filtre qui va seulement me retourner des éléments qui appartiennent à une catégorie particulière ou qui ont été publiés entre telle et telle date. C'est le genre de choses que je pourrais imaginer faire. Donc c'est l'idée en fait derrière ça, c'est que ça permet de, pour des techniciens, écrire une requête à Elasticsearch, c'est pas si compliqué que ça, mais ça permet de mettre à la portée de personnes qui ne parleront jamais ce langage, la construction de requêtes paramétrées. Donc là, c'était pour vous montrer comment on fait l'intégration Liferay avec le modèle d'analyse sémantique. Aujourd'hui, on ne couvre pas tous les types d'entités dans Liferay. Donc là, comme vous pouvez le voir, on couvre les articles de blog, les pages de wiki, les contenus web, les messages de forum, et puis les articles de base de connaissances. Mais on va pouvoir étendre ça. Par exemple, on peut envisager de faire de l'analyse d'images aussi dans le futur. Pour étendre la couverture. Parce que Liferay, il a un framework, il définit les assets de façon globale, et puis après, on fournit des implémentations pour chaque type d'objet. Voilà, bon, on va passer à la démonstration. Je te laisse la main un petit peu pour démontrer. Ouais, si tu veux. On va commencer par vous montrer la stack. Ouais, la stack. Hein? Alors, je vais juste vérifier que j'ai toujours ma session qui est active sur notre cloud. Donc, elle est là. Voilà. Alors, est-ce que ça bouge encore? Oui. Super. Du coup, la stack, donc là, on vous avait dit, on a déployé la stack Liferay DXP Elasticsearch sur notre cloud. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut faire plus que ça, c'est avoir des services custo et non notre XTI qu'on a déployé en custo ici. Donc, c'est ce qu'on voit à cet endroit-là. Donc là, on a cette stack-là qui est installée. Donc, Liferay peut faire envoyer ses requêtes en fait, à TXTI, récupérer les vecteurs, et les renvoyer à Elastic, et quand on fait une recherche, on communique comme ça, du coup, avec Elastic. Donc là, je vais recharger vite fait, par acquis de conscience. Ce qu'on a fait, c'est une page très simple, où on a des barres de recherche qu'on peut mettre plusieurs fois dans la page, donc ce qui est cool, c'est qu'on fait une config sémantique, une config traditionnelle, grâce justement à cette mécanique de blueprint. Parce que du coup, c'est le blueprint qui va dire... Là, on fait du vectoriel et un autre blueprint, ou par défaut, du coup, ça ne va pas être vectoriel. En plus de la base de données dont il vous a parlé sur la Cour européenne des droits de l'homme, alors le setup, juste je vais revenir sur... je crois qu'on avait une slide setup dont je n'ai pas parlé. Donc le pass, je vous l'ai montré. Bon, Liferay DXP, je vous ai mis la version. Elasticsearch aussi, là, on est en 8.9.2. TXTI en 6.3.0. Sur une image Docker, je ne sais pas si vous avez pu lire, mais c'était une image CPU. Ils ont aussi une image GPU, si jamais vous voulez optimiser par rapport au projet que vous avez. Et là, le choix du modèle est un peu arbitraire de ma part. J'ai fait un peu de recherche quand même dessus. Le MiniLM L6, vous allez retrouver sur Hugging Face, en fait, une bonne doc dès la page Hugging Face. Évidemment, ils ont un papier qui explique le modèle, comment il est entraîné, etc. Mais il y a directement les dimensions dont on a besoin. On a besoin de renseigner dans la config TXTI, aussi pour Elastic, parce qu'à Elastic, on va lui envoyer un mapping en lui disant, là, on va faire de la recherche sémantique avec des vecteurs, il faut leur dire les dimensions, dire si c'est du vecteur dense, et on a d'autres paramètres aussi qu'on va lui envoyer.
Et en tout cas, du coup, ça donne ces infos-là, plus le dataset qu'ils ont utilisé, ou les datasets plutôt. Et dans les datasets, justement, qu'est-ce qui m'a fait penser que j'avais oublié cette slide ? Tout simplement parce que là, on a nos forums, on a du coup les messages de forums dont a parlé Fabien, qui existent dans l'iFray. Donc j'ai vu que dans le modèle, dans les datasets, il y avait Stack Exchange. Pareil, vous pouvez aller sur archive.org pour aller récupérer ces données Stack Exchange. Pareil, je vais faire un script Python, j'ai injecté tout ça, ou presque tout, dans l'iFray. Ce qui permettait aussi de bien tester le modèle avec un dataset qu'il connaît déjà. Mais on parlera après du choix du modèle aussi par rapport à ça, à la fin. Du coup, moi, je vais lui poser une question que j'ai déjà testée un petit peu, parce que j'avais vu des questions sur est-ce qu'une IA, on peut considérer qu'elle a un QI, ce genre de choses. Donc, je vais poser la question d'une façon qui n'est pas exprimée dans Stack Exchange, qui est « Can an artificial... » si j'arrive à écrire « artificial... » Il y a une suggestion en temps réel aussi. Ouais. Voilà. J'arrive pas à écrire en fait. Arti, Fi, Shul, si c'est bon. Intelligence. Be considered smart. Alors, pourquoi je le fais en anglais ? Parce que aussi le modèle était entraîné sur de l'anglais. Donc voilà, c'était plus simple dans ce cas-là. Mais on va parler de tout ça après. Donc là, je lui dis ça. J'aurais même pu dire IA ou AI. Mais vous voyez que le premier résultat, ça va être est-ce que c'est vraiment de l'intelligence humaine ? Donc on sent qu'on est déjà proche sémantiquement par rapport à ma question de est-ce qu'on peut considérer qu'elle est intelligente, smart, et se rapportant plus souvent à l'humain qu'à la machine, évidemment. Alors attends, hop. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais copier ça là et je vais voir justement comment réagirait la recherche traditionnelle de ce côté-là. Et là, j'ai un truc aberrant. Je vais voir si... Il a bien compris ce que je voulais. Oui. Est-ce qu'on peut détruire sans son consentement l'intelligence artificielle générique ? Donc ça n'a rien à voir avec ma question. On voit que c'est bien plus pertinent de l'autre côté. Voilà. Je sais pas. J'ai pas d'autres topics. Je sais pas si on peut ce qu'on peut chercher. Alors j'avais des thèmes sur la bière, le café. Je sais pas vraiment ce que je peux poser comme question. Vous avez une question par exemple que peut-être que c'est dans le dataset de la bière ou du café. Sinon, je passe la main à Fabien, il va chercher sur les jugements de la Cour européenne. Il y a des trucs rigolos à demander et des résultats rigolos à remonter aussi. Is beer healthier than wine? That's a good question. Voilà, les différences physiologiques entre la bière et le vin. Voilà. Et du coup, effectivement, on est proche de ce qu'on avait. Du coup, on fait le même exercice. Hein. Pour le sport, est-ce qu'en recherche traditionnelle, est-ce que le saké... Spirit drink, oh, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ah, on a le deuxième quand même qui est dedans. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a aussi les beer et le wine qui jouent beaucoup sur le fait que bah, c'est des mots-clés qui sont dans la recherche. Donc, c'est pour ça, pour tester vraiment l'exercice, on le fait en live, c'est marrant. Mais c'est pour ça que je cherchais un petit peu une façon dont c'était pas exprimé pour voir si ça marchait comme je l'attendais. Tiens, essaye avec un synonyme, mais ale à la place de beer, peut-être, à gauche. Oui, à droite, on va voir. À droite oui, ale, A-L-E. Comme ça. Ouais. Et... Ouais, du coup, il nous a viré celui qui était pertinent. Maintenant, est-ce qu'on va le retrouver ici ? Tu cherches vraiment l'effet démo. Hein. Ouais, attends, je regarde s'il a bien rechargé. Bah ouais, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Voilà, je te laisse faire les jugements. Ou... Ouais. Petit truc rigolo. Non, en fait, c'est pas drôle. Hein. Parce que j'ai regardé, c'est assez déprimant de poser des questions. Donc, tell me about... après la bière. A case where... involving involving beer. Drugs peut-être, ouais. Ah, tiens, il y a du coup, il y a un des résultats qui vient de Ouais, du coup, ça a plutôt remonté les éléments de Louis Guillaume. A case, on va dire, a case about
people fleeing their country, peut-être. Je pense que mon modèle ne descend pas. Je vais m'authentifier. Ah, ouais, je crois que c'est un petit sujet de permission, justement. Donc ça, c'est une fonction de Liferay, c'est pas un bug. Hein. Il y a une gestion de permission sur les contenus. Et donc, du coup, comme les contenus sur les jugements, ils sont derrière des permissions, ils ne remontent pas. Donc là, du coup, on va reposer la question. A case about usage of drugs. Voilà, donc là... on commence à avoir des... Alors on a les deux, on a des éléments qui viennent du modèle que tu as montré, mais on a aussi d'autres éléments qui reviennent de ma base de jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, on en profite, c'est vrai qu'on ne l'avait pas évoqué, mais vous avez une gestion des permissions sur tous les contenus dans Liferay, et on effectue des filtres sur les résultats qui sont retournés par Elasticsearch, pour n'afficher à l'utilisateur que des contenus qu'il est censé pouvoir voir. Voilà. Donc, j'ai pas envie de poser trop de questions sur le jugement parce que j'ai peur de voir des choses horribles en fait. Parce que. Excuse-moi. Pour les tests, tu peux tester avec Data Privacy ou RGPD. Qu'est-ce que tu voudrais lui demander, dis-moi. Bah, tu changes juste droit par Data Privacy. Ah ouais ouais. Data privacy. Alors, ouais, c'est intéressant, on sort des trucs intéressants. Ouais, ouais c'est pertinent ce qu'ils m'ont montré. Ouais. Et on va le mettre à droite pour voir, ça va être intéressant. Ah oui, about GDPR, ouais. Can you... cases involving GDPR. On va le prendre là. Et là. Tiens, là, il me parle de vinaigre. Et là. Attends, je vais le rafraîchir. Ça a l'air d'être un petit peu plus pertinent. Tiens, on va regarder un petit peu de quoi ça parle, ce truc. Alors, non, c'est, franchement, c'est pas des lectures. C'est, ou alors, il faut lire ça le soir avant de s'endormir. Hein, c'est des choses très compliquées, tout ça, et c'est très au-delà de mon domaine d'expertise. Alors, attends, on va regarder si ça parle de privacy. Ah, private life, tiens, c'est peut-être pour ça qu'il a matché GDPR. Ouais, il a dû trouver des indices. Ben voilà. Qu'on voulait vous montrer, hein. Donc on peut faire plein de choses à partir de ça, on a un petit peu joué. Merci Fabien. Du coup, on revient sur les slides pour parler de, bah, pour aller plus loin. Alors voilà, je mets la liste, mais d'abord une chose par rapport justement au modèle. J'ai choisi un modèle qui a entraîné sur de l'anglais, sur un certain nombre de datasets, et du coup ça implique forcément un ou plusieurs domaines derrière. Et par exemple, pour les cases, on pourrait avoir des résultats. J'ai fait exprès d'avoir Stack Exchange, j'ai fait exprès d'avoir des jugements, parce que les jugements ne font pas partie du dataset, et il y a un vocabulaire qui est très juridique autour de ça. Donc c'est... voilà, on le voit qu'il est peut-être plus pertinent avec du Stack Exchange ici qu'avec des jugements qui viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. Quelque chose que tu as évoqué, Fabien, c'est que le modèle de similarité par les vecteurs, finalement, ça ne s'applique pas qu'au texte, c'est les images et les vidéos, du coup, par rapport à vos projets, ça peut être intéressant aussi d'intégrer ces modèles-là avec autre chose que du texte. Alors, Hugging Face, je vous en ai parlé, il y a plein de modèles, il y a plein de choses intéressantes, et ce n'est pas que pour de la recherche sémantique, il y a plein de catégories, on n'est pas non plus que sur le traitement du langage naturel, donc, mais rien que dans ce domaine-là, c'est intéressant de voir ce qui est fait. Évidemment, vous pourriez tester, parce que là, on est dans le contexte Liferay, on est un éditeur de logiciels, donc vous avez compris un petit peu le contexte dans lequel on est, qui n'est pas forcément le vôtre avec des projets élastiques. Donc, c'est intéressant, évidemment, après avoir exploré ces modèles Hugging Face, de les injecter directement dans l'élastique et de travailler directement avec Elastic sur la génération des vecteurs dans les documents.
Et il y a un modèle que Roku a présenté tout à l'heure sur la 8.12, c'était dans les notes, le Elastic Learned Sparse Encoder, qui est en fait justement un modèle qui est sans domaine. Donc ça permet d'éviter de prendre un domaine type celui que j'ai présenté, qui est sur du Stack Exchange, et puis de le fine-tuner sur... En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est peut-être le fine-tuner sur les données en fait, des jugements, pour qu'ils soient pertinents sur tout le domaine qu'on est en train d'adresser pour la démo. Donc l'objectif de ce modèle-là proposé par Elastic, c'est de se débarrasser des domaines, d'éviter de faire du fine-tuning, et d'être quand même pertinent dans la plupart des modèles. Et c'est aussi, et là je vous laisserai chercher un peu les différences là-dessus, parce qu'il y a plein de choses sur les maths qu'il y a derrière qui sont très intéressantes, mais ils utilisent des vecteurs denses, alors que là on était sur des vecteurs creux, donc les sparse vecteurs, par rapport aux vecteurs denses qu'on utilisait là sur le modèle qu'on vous a présenté. Donc voilà, merci à tous en tout cas, et à toutes pour votre attention pendant notre présentation. Et je ne sais pas si vous avez des questions.